Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder pour les tirages sentimentaux du mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour votre domaine amoureux ce mois-ci? Donc, pour les célibataires et les couples, bien sûr, j'essaie d'adapter au mieux pour les deux. On va faire un tirage avec quelques cartes d'énergie, petit oracle de la création et ange de l'amour, un tirage au tarot. Ensuite, je vais faire avec l'oracle des miroirs et l'oracle de G. Alors, quel sera le signe pour aujourd'hui? Il en reste 4. Je vais faire 2 aujourd'hui, 2 demain. Alors, tirage amour. Alors, aujourd'hui, ce sera les Verseaux. Bienvenue les Verseaux, ascendant Verseau, lune Verseau. Ce sera votre tirage. Donc, bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça vous parle moyen ou vous voulez compléter. Le lunaire, surtout, qui est pour le sentimental. Et on va commencer tout de suite par un petit message pour vous de l'oracle de la création en amour pour ce mois de décembre. Pour le mois de décembre, Verseau en amour, quel message? Verseau, amour. Trop de cartes. Verseau, amour, décembre 2021. Merci. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. D'accord. Bon, on nous parle de choix, hein. Choix ici à faire, les Verseaux, où il y aura des choix autour de vous. On parle d'ouvrir une porte, hein, de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, soit un choix pour découvrir une nouvelle personne. Hein. Connaître quelqu'un, ça me parle de ça, d'apprendre à connaître quelqu'un. Ou faire un choix, ben, soit vous êtes seul, ben, vous décidez de vous aventurer vers quelqu'un de nouveau, soit un choix dans une relation, on arrête parce que c'est un choix, on nous dit, déterminant à faire. Quel est le message ici? Bienvenue sur les guidances de Shiva, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, chers amis. De cliquer la cloche en haut à droite. On va mettre les petites lumières, pardon. Pour avoir toutes les vidéos, et si vous voulez une guidance privée, personnelle, vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Pour les Verseaux amour en décembre, qu'est-ce qu'on a comme message énergie? Verseaux amour. Décembre 2021, Verseau amour. Décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message? Mon amour. Décembre 2021. La porte secrète peut aussi être que quelqu'un aura envie de vous découvrir. Une nouvelle personne qui a envie de faire connaissance avec vous. J'ai cette carte. Alors, qui pourrait être parmi vos amis? Il y a une possibilité de relation amicale. On a l'amitié qui est sortie là. Pour moi, je sens ici une possibilité de la porte secrète. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de découvrir qui vous êtes. D'accord? Tu peux me garder close ou oser t'aventurer. Donc, ça peut être dans les deux sens. Oser t'aventurer à me faire, à me connaître parmi une personne que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage, ou l'inverse. Quelqu'un qui est un ami ou une amie. Qui aimerait aussi faire plus ample connaissance avec vous. Alors, les Verseaux amour. Avec les anges de l'amour, on va voir ce que ça nous donne comme message. Verseaux amour en décembre 2021. Verseaux amour. Quel message? Verseaux amour, décembre 2021. Ok. Laissez vos amis vous aider. Bon, là, il y a peut-être besoin d'aide. Pourtant, là, se prépare pour un mariage. Alors, vous aider pour des conseils, vous donner des avis pour une relation,
une notion de soutien. Hein, là, il y a du soutien autour de cette femme qui se prépare à se marier. Donc, demander ou accepter le soutien des autres, on va voir pourquoi. Bon, je sens ici des nouvelles rencontres pour les Verseaux, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. On va regarder avec le tarot, qui est toujours très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Verseau, amour, décembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux en amour en décembre 2021? Verseau, amour, en décembre 2021. Verseau, amour, décembre. On vous conseille d'arrêter quelque chose. C'est un conseil, c'est la carte actuelle. Donc ça peut déjà être maintenant, hein, avant décembre. On nous conseille de couper. C'est ce que je ressens ici pour les Verseaux, avec peut-être une relation qui ne donne rien. Une relation avec qui vous êtes depuis longtemps. On peut arrêter si c'est pas. Là, la fausse, on parle vraiment je coupe. Hein. Mais c'est la mort, la renaissance. Donc ça peut être aussi la fin d'une histoire où il y a eu des complications pour que ça s'améliore. On verra les autres cartes. Ça peut être aussi la fin d'un célibat pour une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Alors, on nous dit que ce ne sera pas hyper facile. Hein, là, ce qui est en compte, c'est le soleil. Donc, il y a des choses secrètes, il y a des choses pas claires, peut-être. Ou vous avez une relation secrète. Ce qui était clair ne l'est plus. Ou un certain bonheur, se termine. Avec le pape, il y a une notion de spiritualité, bien sûr. Moi, je vois beaucoup dans cette carte, en tout cas dans ce tarot, la notion de confession. Est-ce que vous aurez eu, par exemple, certains Verseaux, des relations cachées ou secrètes qui vont se terminer ou que vous allez vous terminer, hein? Ça peut être une relation tierce, une relation amicale. Essayez de voir un petit peu comment ça vous parle, parce qu'on parle quand même bien de secret, hein? Donc, il y a plusieurs choses. On parle de choix. Vous allez peut-être faire le choix de couper avec une relation secrète qui se passait bien, mais maintenant ça ne va plus. Il y a la notion de confession ou de demander pardon si c'est pas à quelqu'un ou à, c'est pas un homme d'église, c'est pardonner à l'univers, pardonner à l'autre personne, s'excuser, se faire un pardon personnel, confesser quelque chose. Et un jugement qui se fait sur vous, c'est ce que j'allais dire. C'est comme s'il y avait un jugement. Il y a une fin de situation qui pouvait être positive. Ou plutôt, si le soleil est en compte, ça peut dire que l'énergie est un peu compliquée en ce mois de décembre parce que vous allez devoir couper peut-être une relation tierce. Je ne l'ai pas dite, mais c'est aussi possible. Ou couper une relation que vous avez. Mais oui, il y a un jugement qui se fait quand même. Le jugement, je me confesse, je demande pardon, je suis pardonnée, on me relève, je peux reprendre ma vie sentimentale différemment parce que je demande pardon, parce que je m'excuse, parce que je coupe avec peut-être une notion de triangulaire, une notion pour moi qui n'est pas correcte. Certains Verseaux, vous allez cesser ce comportement, cesser une relation secrète. C'est ce que je ressens, hein, d'accord? On va voir avec les oracles qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information supplémentaire. J'avais pas mal parlé. Donc, regardez aussi le tirage du mois de décembre pour les Verseaux. À la fin, il y a bien sûr un tirage sentimental où vous ne le savez pas, mais regardez si ça parle avec ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que je disais souvent, il y a eu une tromperie. Est-ce que c'est vous qui avez été voir ailleurs ou l'autre qui a été voir ailleurs? Il y a effectivement une fin. On donne fin à cette histoire secrète. Ça sort ici. Verseau, amour, en décembre 2021.
2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux en amour en décembre 2021? Qu'est-ce qui va se passer en décembre en amour? Oui, on n'est pas super, super bien dans notre énergie. Hein. De couper, ça ne va pas être facile. De changer d'attitude, ça ne va pas être facile. On n'est peut-être pas très bien dans notre tête. Bon. Je continue. Verseau. Amour. Le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Verseau. Amour. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux en amour pour le mois de décembre 2021? Qu'est-ce qui va se passer pour l'amour? Les Verseaux en décembre 2021. Alors, quelques messages, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous me donner un message pour les Verseaux en amour? Qu'est-ce qui se passe en amour pour les Verseaux? Allez, Verseaux. Ben oui, il y a quelque chose qui se termine, qui devait se terminer, j'ai l'impression. Besoin d'aide, on n'est pas très bien dans une histoire. De jouer à la triangulaire, ça ne va plus. Si c'est quelqu'un ou vous... qui est dans l'histoire, il y a une tierce personne pour moi. Hein. Ça, c'est obligatoirement la fin. Ça ne pouvait plus durer. Soit la personne que vous, avec qui vous êtes officiellement, vous ne trouvez pas normal de continuer ce comportement. Soit vous attirez à vous cette problématique parce que vous avez joué avec le feu. Voyez. Soit il y aura une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a quand même une fin réelle là, hein, pour certains Verseaux. Vous verrez bien tout ça en décembre, n'hésitez pas à m'écrire. Peut-être c'est mieux pour tout le monde, on va dire. Alors, message pour les Verseaux en décembre. Encore une carte. Message pour l'amour, Verseaux. Verseaux, amour, décembre. Vous protégiez, vous vous cachiez. Face à tous avec une relation tierce. Vous avez attiré à vous des problèmes à cause de ça. Quand on dit aussi aider, laissez vos amis vous aider, c'est qu'il y a quelque chose pour moi de secret qui est là. Qui peut être parmi une amitié. L'amitié ressort quand même comme énergie. Voici, j'ai encore une carte là qui sort. Pour les Verseaux en amour. Verseaux en amour pour le mois de décembre. L'amour revient. Je la garde parce qu'elle s'est retournée. L'amour revient. Moi, je vous dis, soit vous quittez une relation tierce qui n'était plus bonne. Dans votre relation officielle, c'était fatal, c'était mauvais, ça vous rendait mal. Ou vous étiez aussi mal avec votre conscience, hein, le pape, c'est ça. Pour vous relever et garder votre histoire d'amour intacte, donc vous stoppez avec cette personne. Que nous dit la coupe? Et vous voulez sauver à tout point de vue la relation avec qui vous êtes. Pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre au niveau amical. On voit qu'il y a une période un petit peu compliquée ici. Vous protégez parce que vous avez peut-être eu une rupture passée. Vous vous protégez peut-être du renouveau. Mais on voit que prochainement, vous allez attirer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation totalement différente du passé. Parce que vous avez vu aussi que ce n'est pas top. Il y a eu beaucoup d'instabilité, mais il y a effectivement quelque chose de nouveau qui se prépare en amour. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous avec le miroir magnétique. Vous attirez du renouveau parce que vous avez décidé de changer ou de couper quelque chose qui n'était pas sain que vous aviez dans votre vie. Ça peut être une personne qui vous trompait aussi. Donc, on va regarder la suite. Alors, je vais mettre comme ça. C'est moi qui vais tirer pour les Verseaux. La suite. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a bien un travail sur vous. Vous prenez de la hauteur par rapport à votre situation sentimentale.
Alors, vous me direz si ça vous parle. Pour beaucoup de couples, il y aurait eu quelque chose en trop, une relation. Mais vous avez confessé, vous avez décidé que c'était fatal parce que ça causait du tort à votre couple, que finalement vous aimez. Vous avez pris conscience, vous décidez de vous faire pardonner. Vous avez peut-être besoin d'aide, vous vous sentiez plus bien dans cette situation. Pourtant, il y a l'amour qui revient. Alors, soit dans votre couple, il y a la renaissance d'un amour entre vous, parce que vous avez fait un travail sur vous, je vous ai dit, de confession, de prise de conscience, et puis aussi prise de hauteur. J'observe ma situation que je vis au niveau amoureux, ça cause du tort à tout le monde, à la personne qui m'aime, à la personne qui est tierce. Je ne peux pas continuer comme ça, donc j'arrête. Je travaille sur moi, je prends de la hauteur, je vois bien ce qui se passe, et il y a un renouveau en amour. Donc ça peut être une nouvelle relation pour certains, mais ça peut être aussi un renouveau dans votre couple. D'accord? Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Donc c'est l'instabilité qu'on a vue avant, et puis bon, la tromperie. Et puis une période un petit peu, ouais, il y a vraiment cette notion, bon, peut-être pas tous, mais ça parle assez fort de trahison charnelle, trahison avec un ami à côté du couple. Bon, moi j'ai l'impression que vous l'avez attiré ces problèmes parce que avec le miroir magnétique et la fatalité, c'est que ça peut être j'attire à moi certaines difficultés que je peux vivre ou que je vis à cause de mon partenaire a été voir ailleurs. On va voir avec l'oracle de G, les Verseaux en amour pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Verseaux, décembre, amour. La force ou un signe du lion, signe solaire, ça peut être, on va voir, on va voir. Ça peut être un signe solaire qui était présent dans votre vie ou avec qui vous étiez ou avec qui vous allez reprendre. Verseau en amour, le mois de décembre, ça confirme. Il y a une confirmation. Verseau amour, décembre 2021, verseau amour. Comme elle sort, je la prends. Non. On refait la paix. C'est un peu comme je ressens tout à l'heure. Je sens que vous faites la paix avec votre amour en prenant votre courage à deux mains. On se pardonne et on coupe avec le négatif. Verseau, décembre. Pour les célibataires, essayez d'adapter la situation. Rencontre amoureuse, rencontre avec quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un, parce qu'elle se crée. Donc faites attention à la nouvelle rencontre. Il y a l'évolution. Non, Kumara. Il y a l'évolution de votre vie sentimentale. Après la fatalité, c'est très 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 bien que ça arrive, parce que ça c'est comme une carte forte, hein. Et qui était présente, quelque chose qui ne peut pas continuer, qui va s'arrêter avec la faux, clair et net. Le secret, peut-être avec un ami. Pour certains, faites attention les célibataires de ne pas tomber sur une personne qui aurait quelqu'un, demander de l'aide, qu'est-ce qu'ils en pensent. Là, je sens, grâce à votre persévérance, votre force, et prendre le courage à deux mains, de vous réconcilier avec la personne, et ça va permettre à votre relation de couple d'évoluer. Dans le bon sens, vraiment, hein. C'était une relation qui durait, mais qui n'était pas très sérieuse. On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Donc oui, on peut se remettre avec quelqu'un de manière égale. Il n'y a plus de tiers. Il n'y a plus cette personne. Donc, une nouvelle jeunesse avec la petite fille. À nouveau le travail au même endroit que tout à l'heure. Donc pour moi, c'est avoir fait un travail de conscience, de pardon à soi, à l'autre, oui, de conscientisation, de confession, et surtout par rapport à soi. J'ai pris conscience de quelque chose. Se confesser, c'est vraiment ça, hein. Verseau, décembre. J'ai l'hiver là qui ressort, mais j'ai au moins 5 ou 6 cartes. Verseau, décembre, l'amour. Une dernière carte, Verseau. Ok, c'est la sortie.
quelque chose qui dure depuis longtemps. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une relation qui a duré trop longtemps. Non, 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 non. Non, viens. Hop là. Elle a mis du temps pour évoluer. Vous étiez peut-être amoureux, mais pas autant que vous le pensiez. Donc peut-être qu'il y a eu une triangulaire. On confirme bien qu'il y a un renouveau sur votre histoire d'amour pour ceux qui sont en couple. Je ne vois pas vraiment une nouvelle rencontre, je vois vraiment un pardon, une confession de ce que vous avez pu faire dans une histoire avec du secret. On retrouve notre pilier d'équilibre, donc le couple, une nouvelle jeunesse grâce au travail que vous avez fourni et ça a pris du temps pour que cette relation passe à un stade supérieur. C'est ce que je ressens. Vous allez passer à un stade supérieur, à un stade de chenille. Bon, c'était une relation, ok, avec des problèmes que vous avez créés ou attirés à vous. Et que ça va en décembre permettre l'évolution de votre couple vers vraiment quelque chose de meilleur, bien meilleur pour vous. Une très belle amélioration de votre vie de couple grâce à vos efforts, chers amis. Merci pour vos commentaires. Merci de me dire si ça résonne en vous, si ça va résonner. Vous verrez bien durant le mois de décembre. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. Merci.